Salut à tous, c'est Rising. Bien dans cette vidéo, je vais vous présenter un deltaplane en vente en ce moment à la compagnie commerciale du Lion Noir. Et c'est logiquement que je suis avec un Azura, puisque ça va concerner le monde de l'enquête. Allez, je vais vous présenter tout de suite ce deltaplane que je trouve relativement monstrueux. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Hop là, il est en promo. Ici, inspirer le respect avec le combo deltaplane et siège de surveillant de l'enquête. Alors, bon, vous avez le siège, je vais pas l'acheter parce que moi les sièges, ça m'intéresse mais absolument pas du tout. Je n'accroche pas du tout avec les sièges, même si je trouve sympa parce qu'il est un petit peu au-dessus du sol, donc ça je trouve ça cool. Si vous cherchez les sièges, c'est relativement bien. Moi ce qui m'intéresse, c'est le deltaplane, je le trouve relativement monstrueux comme ça. Ouais, franchement, il envoie du steak. Donc je vais le prendre tout de suite. Alors là vous avez le pack combo à 900, mais moi je vais juste acheter hop là le deltaplane à 500. On termine l'achat et le voilà, le deltaplane. Voilà, hop, on va l'utiliser. C'est parti, je vais l'équiper tout de suite. Hop là, deltaplane. Yes. Bon, j'ai changé les couleurs du deltaplane et on va aller tester ça tout de suite. Et voilà, waouh, chouette. Excellent, là je suis sur mon petit siège, tranquille ou milou. Ah, c'est cool. Donc là je suis sur le côté du siège, vraiment ça fait un super rendu. C'est un deltaplane mastoc, pas très discret, mastoc. Si Dark Vador avait un deltaplane, ce serait celui-là, clairement. Il est trop chouette, putain, il est énorme. Il est énorme le deltaplane. Il est vraiment énormissime. Ah, il est énorme ce deltaplane. Franchement, très joli, très réussi. J'adore, je trouve ça excellent. La limite, même un vaisseau spatial, quoi. Voilà, je suis très fan de ce deltaplane. C'est vrai que bon, quand on le voit de devant, c'est mieux. Je vous remontre de devant. Hop là. Le deltaplane. Énorme, énormissime. Je vais aller le tester avec un autre personnage. Tiens, je vais aller le tester avec deux de mes personnages principaux. On va le tester sur Rising. Bon, j'ai eu ce deltaplane il n'y a pas longtemps, j'adore. Mais on va lui mettre ça aujourd'hui. Pour le test, on va lui mettre le deltaplane. Voilà, ici, avec ces couleurs-là, c'est chouette. Ah, regardez, j'ai pas l'air classe là, dans mon siège deltaplane. Allez, let's go. Salut, je me balade tranquillement. Hop là, je me peux me reposer. Ouh. La vie est belle. Je prends tranquillement mon deltaplane et je me repose. Voilà. C'est cool. Ah, si j'essaie de vous montrer un petit peu le devant, il est pas. Ah, il fait des petits bruits en plus. Ouais, des petits bruits à la RD22, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce deltaplane. Il est joli aussi, ces couleurs-là, j'aime bien. Le mec qui s'auto-congratule sur ces chouettes couleurs. Alors, j'aime beaucoup, très chouette ce deltaplane. Allez, je le montre avec un dernier personnage, avec un humain. Allez, on y va pour la dernière démonstration. Elle a l'air de s'emmerder sur sa chaise, ou alors elle fait un petit peu la blasée. Regardez, moi je suis sur ma chaise, tranquillou milou. Et donc voilà, on va le tester tout de suite. Ici, encore un tournoi pour vous montrer ça. Hop là, voilà. Ouais, franchement, j'adore. Voilà, j'adore, fallait que je vous montre sur les trois, j'adore. Très réussi. Alors, coûte un peu plus cher que les autres deltaplanes, parce que d'habitude les deltaplanes, je crois que ça coûte dans les 400 gemmes, là c'est 500 gemmes, mais ça les vaut largement. Ouais, j'adore, franchement, ouais, voilà. Je peux dire que super beau boulot, et c'est vrai que sur les deltaplanes, c'est hyper réussi. Et ça me donnerait peut-être même envie d'acheter la chaise maintenant. Bon, je le ferai pas, parce que j'utilisais jamais les chaises, mais franchement, le pack il vaut le coup, et le deltaplane il vaut le coup. Pff, superbe. Superbe boulot. Énorme. Je crois que je vais pas m'en mettre. Donc voilà, je voulais absolument vous présenter ce deltaplane qui vient de sortir. Et donc je vous conseille de, si vous l'aimez autant que moi, de craquer dessus. Parce qu'il est vraiment ultra chouette. Soit ça, soit si vous préférez la chaise.
Je vais vous remontrer les deux. Hop. Voilà. Hop là. Alors. Je vous remontre les deux. Soit la chaise. Elle est chouette aussi la chaise. Hein, parce qu'elle est. Je trouve, voilà. Comme je vous ai dit, elle est en lévitation. Et puis, bien sûr, le deltaplane qui est excellent. Avant de mettre fin à la vidéo, j'ai remarqué que chaque race avait sa petite différence. Et donc là, je voulais vous montrer ce que ça donnait sur une Norn. Voilà ce que ça donne sur une Norn. Donc c'est pas tout à fait pareil que l'humain au niveau de comment elle s'installe sur le siège. Et on va aller regarder ce que ça donne sur un char et on va finir la vidéo là-dessus. Alors sur le char, qu'est-ce que ça donne? Ouais, mais il a l'air un petit peu serré, c'est marrant. Il est un petit peu serré le char. Et voilà donc ce que ça donne sur un char. Bon, en attendant, moi je voilà, vous avez remarqué, j'ai adoré ce deltaplane. Je suis très content de mon investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller craquer pour ce fabuleux deltaplane. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Guild Wars 2. Allez, à plus tard, ciao.